Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, encore une fois, chaque nouvel épisode nous rappelle qu'on se rapproche de Noël et des fêtes et c'est plutôt cool. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Planet Coaster et je vais tenter un one shot pour cet épisode 3, c'est-à-dire que je vais essayer de ne pas vous faire de cuts pendant le montage, de tout faire en une fois. Parce que, bon, il y avait des cuts dans les épisodes précédents, tout simplement parce que la pose de lampadaire, ça vous intéressait pas de ouf, ce que je peux comprendre, c'est pour ça que je coupais, donc sur 50 minutes de record, je vous en proposais 25-30 minutes de condensé. Là, on va tenter le petit one shot, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, de choses assez sympas, assez cool et assez fresh qui vont arriver. Alors les gars, j'ai pu essayer, commencer à record les premiers épisodes de Dead Rising 3, et c'est un plaisir, c'est un bonheur. Il n'y aura pas de coop avec Dark Fufu tout simplement parce que le jeu ne le propose pas dans le mode story, mais il y aura bien quelques épisodes en coop avec lui, ne vous en faites pas. Mais voilà, le mode histoire revient vraiment à l'ancienne, j'essaye de pas trop en dire, déjà parce que j'ai pas le droit, mais franchement, premier épisode Dead Rising 4, un véritable plaisir à enregistrer et ça va sortir lundi sur ma chaîne. J'ai hâte de vous proposer. Alors comme je vous disais, on va faire un one shot. Donc on va éviter tous les trucs un peu trop relous, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire pose de lampadaire, des trucs un peu chum, comme on les appelle dans le milieu, de la chumerie. On va tout simplement... déjà, on va commencer, on va faire une montagne russe. Voilà, j'avais envie de faire une montagne russe. On n'en avait pas proposé du tout. J'ai encore téléchargé des trucs sur le workshop. Vous m'en direz des nouvelles, les gars. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, là, c'est toutes les montagnes russes qu'on a. En soi, ça fait pas beaucoup. On est bien d'accord. Il y en a quoi? Il y en a peut-être 15 à tout péter. Ça fait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que... c'est des montagnes russes modèles. C'est pas très intéressant en soi. Nous, on va créer nos propres montagnes russes. Mais pour ce début de parc, il est peut-être mieux de faire une montagne russe qui existe déjà. Donc, on va essayer d'aller dans une hyper montagne russe. C'est intéressant. C'est tout en longueur. C'est pas giga. On a quoi? On a rien. On a rien en giga en famille. Et on a un typhoon. Alors, typhoon, attention, hein, 4.10 de peur, enthousiasme et nausée. Est-ce que c'est pas mieux ceci? De peur 4. Ah non, le Typhoon il a l'air d'envoyer. 4.10 de peur, ça a l'air d'être. Ah ouais, il y a celui-là. Ah ouais, le X dimension il rigole zéro, mon pote. Niveau nausée, ça va chier sur le carrelage. Ah, ça va chier sur le parquet. C'est moi qui te le dis. Ok, c'est pas mal. Alors, déjà ça en va baisser. C'est pas mal, c'est pas mal. On va utiliser celui-ci parce que. Il nous faut une attraction. Je vous l'ai déjà dit. On va même le faire passer au-delà les limites. Au-delà les limites du réel. On va même le faire passer, tiens. Au-dessus, ça me paraît pas mal. Au-dessus de la rivière, non? Regardez. Ça me paraît pas mal. Alors, attendez. On va le tourner. On va le tourner déjà plus comme ceci. Yes! Là, on est pas mal, là. Alors, il y aura tout un système de promenade qu'on va faire sur le lac, ici. Mais en attendant, vu qu'on voulait une montagne russe, c'est pas mal, ça. On va décorer en plus, Comme je vous dis, vraiment, il y aura une période décoration, il y aura de l'attraction, il y aura quelque chose. Par contre, je vais zoomer, les files d'attente sont bien du bon côté. Ok, on est bon, on va le poser, vous savez quoi? À même la rivière, et ça me paraît pas mal. Boum! C'est fait! X dimension, on est bon. Je ne peux pas encore l'ouvrir, parce qu'il faut une entrée, forcément. S'il n'y a pas d'entrée, c'est bien dommage. On va poser une entrée où? On va poser une entrée ici, il nous faut une sortie. On va poser la sortie... ici, ma foi, ça me paraît cohérent. Et on va relier l'entrée à l'allée. Alors, là par contre, là, vu que ça va au-dessus, pourquoi pas partir dans le bleu sur la file d'attente, non? Voilà. Yes, on est pas mal. Ok, on est pas mal. Alors là, on va faire une maxi file d'attente. Il nous faut une maxi file d'attente. Parce que ça va la déconnade. Ça va la déconnade, mais là... Les gens, ils ont faim. Ils ont faim de grosses attractions la plupart du temps. Et je pense que vous avez tous été à Disney. C'est vrai que faire une attraction... Oh tiens, on va faire passer la file d'attente en dessous. Non, ça me paraît obstrué. Regardez. C'est pas mal ça. On est pas mal là. C'est stylé, sympa, non? Et comme je vous dis, c'est vrai que faire une attente pour faire l'ascenseur, par exemple... Donc, tu sais que l'attraction, tu vas te chier dessus, frère, tu vois. Mais le pire dans tout ça... C'est pas de savoir quand tu vas te chier dessus, c'est de savoir que tu vas attendre une heure pour te chier dessus. Et ça c'est terrible. C'est vrai que c'est terrible en soi, les grosses attractions. C'est ce que je reproche le plus à tout ce qui est Disneyland et tout.
Tu sais que tu vas te chier dessus, mais faire une heure pour te chier dessus, oh, c'est relou quand même. Ok, on est pas mal. Elle me paraît assez longue. Là, on est sur une belle file d'attente. Là, ça me paraît pas mal. Allez, on cut. On peut cutter là. Hop, on va cutter ici. On va peut-être pas déplacer l'arbre. Ah, là, c'est gênant ce que j'ai fait en fait. D'accord, c'est un petit peu gênant. Ok, je vais trouver une solution. Les gars, on va partir dans les allées. Donc, on va prendre les allées d'avenue classiques. On va faire déjà une sortie. Voilà. Bon, une sortie qui va mener à l'avenue, évidemment. J'aimerais que cette avenue soit fréquentée, hein, donc... Alors, attendez, bougez pas. Il y a un banc. Il y a un banc en plein milieu, ça, c'est chiant. Ok. Yes. Intéressant. C'est bon, on est relié les potes, aucun problème là-dessus. On a fait notre sortie avec des petites barrières, toujours mettre des barrières à la sortie, c'est toujours mieux. Et notre file d'attente, bah, on va la relier aussi, on va trouver un petit truc sympa, et on avait dit ici. Par contre... Eh ouais, c'est là où j'ai merdé en fait, c'est dans la file d'attente. Et ça c'est chiant. Donc on va récupérer les allées, on va passer en mode file d'attente, et hop, on va... retirer calmement. Ah, une file d'attente amène l'avenue, ça m'embête. Alors que là, c'est un peu plus cohérent, je trouve. Ouverture impossible, l'attraction n'a pas été testée. Ah, bah ça, par contre, faut la tester. Ah, ça, c'est chiant. Ok, on va la tester, les gars. Pas de problème. Donc là, c'est en cours de test. Hein, vous voyez l'enthousiasme et tout. On regarde si l'attraction... ne va pas tuer, bien évidemment, toujours important. Oh, ça monte bien, ça monte sec. Oh, je vais vous faire un truc, ça va mener au 7e ciel. Ah, tu seras pas prêt. Ah, les gens ne seront pas prêts. Ça va monter au 7e ciel, mais genre, tu vas y rester au 7e ciel, tu vois ce que je veux dire. Une fois monté tout en haut, parce que bon, monter tout en bas, c'est assez compliqué. Une fois tout en haut, t'es un homme mort. Ta vie est nulle. Ok, pas mal ça. On va se mettre dans la caméra. What damn. Ah ouais. Attends, on est à l'envers, là. Quoi? What the hell? Ça existe vraiment, ça? Mais gros, mais tu vomis tout le temps. Ta vie n'est que vomi. Oh, c'est impressionnant. Donc là, on est dans la tête du spectateur. Bah, en fait, ta vie est nulle. Là, c'est de la merde. Tu te fais trimballer, tu fais 4 crises cardiaques avec une musique techno quand t'es proche de l'entrée. Ah, c'est terrible. Ah, elle est hardcore. Elle est hardcore de ouf, hein. Oh la vache, damn. Ok, ça a été testé. On est sur de l'enthousiasme, interrompre le test, on est bon. Alors, oh, j'ai eu pas mal de trophées dans cette histoire. La tête dans les nuages, bah tu m'étonnes. On peut l'ouvrir, c'est parti, les gars. Aïe, maman. Ça, c'est beau. Ça, c'est clairement beau, les gars. Donc, en plus, c'est sur l'avenue, c'est plutôt propre. On a notre première montagne russe. Joli, oui. Alors, est-ce que tout est ouvert? Tout est bien ouvert? Tout a l'air ouvert. Just a momento. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un nom bien stylé. J'aimerais bien maintenant que les gens aillent sur l'allée, en fait, aient un intérêt. À part eux, Miskin, la queue pour Génie a l'air bien trop longue et la queue pour Teacups est interminable. Bah oui, mais ça, c'est des attractions. Voilà, ça commence à rentrer, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on avait déjà disposé des poubelles. C'est plutôt cool. Vous savez ce qu'on va faire? On va gérer tout ce qui est entretien. En fait, à terme, j'aimerais bien faire payer l'entrée du parc cher. Donc, un prix défiant toute concurrence, mais 90 boules quand même. Mais par contre, toutes les attractions gratuites. C'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est vrai que les Américains, c'est différent. Ok, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va prendre un homme, un employé de surface. Un technicien de surface, pardon. Et il va veiller à la propreté. Plusieurs boutiques ne sont pas accessibles depuis l'entrée du parc. Ah bon ? C'est intéressant. N'est pas accessible depuis l'entrée du parc. Cosmique. Oh. Alors attendez. Ça, c'est pas accessible. Vous foutez de ma gueule. Comment ça, c'est pas accessible? Les WC ne sont pas accessibles depuis l'entrée du parc. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas accessible? Trop cher? Sans doute trop cher, écoutez, on va remettre à zéro. C'est très bizarre.
C'est très bizarre, j'ai pas compris là, je vous avoue en soi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Mais alors pourquoi? Pourtant on l'a recalé, hein, ça bug. Enfin, ça buguait. Ah d'accord, ok. Ok. Je vois. Donc, si j'ai bien compris. Ah ok, j'ai compris. Je pense avoir pigé. Voilà, en fait, faut qu'il y ait. Ah, c'est chiant. Voilà, là les deux par exemple sont accessibles. Mais alors dans ces cas-là, ça sera à l'envers. C'est terrible. Ok. J'ai compris. Donc comment on va faire? On va faire comme ça. On va le poser comme ça. On va modifier. C'est pas mal, ça me permet de modifier. Voilà. Ah merde. Alors là par contre, je voulais. Hop, sans barricade. Là, on est bon. Là, tout est accessible, normalement. Là, tout est accessible, les gars. Donc, normalement, il n'y a aucun putain de problème. Par contre, c'est pas très... Oh, c'est beau, hein. Regardez, de nuit, avec le zoom, franchement. Ah, c'est dommage, la nuit, il dure pas assez longtemps. Quoi? Il a donné sa démission? Ah oui, bah oui, mais tu m'étonnes, frère. Ok, tu m'étonnes qu'il ait démissionné, le mec. Ah, mais oui! Attendez. J'ai compris. C'est parce qu'il y a deux stands, en fait. Ok. It's okay, il y a deux stands, c'était pour ça. D'accord, regardez le pauvre, miskin. Voilà, là c'est bon. Ah putain, ah c'était terrible. Ah c'est le temps, allez le petit cœur de l'amour qu'on avait dit. Ah c'est le temps que ça rentre les mecs. Ok. Bon bah on va bouger tout ça. Hop. Et on va le mettre où? Tiens, et on va le mettre là. Ok, là. Là, on est sur de l'accessible. Donc, bah, le vendeur, comment on fait pour qu'il revienne? Ah oui, il vendait pas, tu m'étonnes. Il était pas bien, le mec. Il était pas bien. Ah ouais, mais là, c'est terrible. Je sais pas comment on peut faire pour réouvrir. D'accord. Bon, vous voyez, les petits soucis que j'aurais cut en temps normal, bah là, je vous les montre. Comme ça, ça prouve que... ça prouve qu'il y a du boulot, quoi, les gars, derrière, hein, tout simplement. Hein. Ok, c'est bon. C'est rectifié. Toutes les chiottes sont disponibles. Aucun putain de problème. Aucun putain de problème. Toujours 1$ à l'entrée. Et hop, on met des rats. C'est Bibi qui régale. Et toujours sur du 1$. Nickel. Donc comme je disais, ouais, je voulais vous montrer, regardez jusqu'où on peut zoomer. Ah ouais, l'avenue elle commence à se faire Ah oui d'accord. Putain, GG les gars, hein. Eh, panier du premier coup les gars, vous rigolez pas. L'avenue elle commence vraiment à être utilisée comme je le voulais. Oh c'est stylé. Là, c'est pas stylé, les gars, une avenue comme ça, sérieux. C'est pas grave stylé. Ok, c'est cool. Je suis content. Voilà, je tenais à vous le dire, les mecs, on a mis une montagne russe, mais ça change déjà la face du monde. Là, on va faire un système de promenade un peu autour. Ah ouais, putain. Ah ouais, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. On va peut-être pas le faire maintenant, parce que ça peut être ennuyant, vu que j'aimerais tout faire en jump cut. Mais, tiens, ouais, si vous savez quoi, on va le faire maintenant. Parce que moi je baise le système. Moi, je suis un baiseur de système. Ok. Donc voilà, on va faire une toute petite allée vite fait qui traverse le lac calmement. Je me demande si dans le lac on ne peut pas mettre. Attends, on va pas se foutre de ma gueule. Ah, ça c'est la largeur, c'est chiant. Là c'est chiant ce que j'ai fait, c'est un peu con. Ok, on va rester sur du 4, c'était la longueur que je voulais. Beaucoup mieux. Ok. Allée dangereuse là, hein, vous l'aurez compris. on va peut-être pas rester sur du 4 finalement. Ouais. C'est pas mal ça, bébé, ouais. Tu sens que ça se construit là un peu, là, non? Ok. Ça va être cool. On va mettre des petites boutiques, des petits arbres, des trucs sympas. Vraiment, ça va être une très belle allée. Avec évidemment des lampadaires. Parce que vous savez qu'on aime les lampadaires. On va faire, voilà, une allée qui va. Faire tout le tour du parc. Et en plus de cela, un petit pont. Vous allez voir, ça va être très sympa, hein. De toute façon, vous doutez pas de moi, je le sais bien. Ah ouais, c'est beau. Moi, j'aime bien, moi. Je serais visiteur, je paierais juste pour voir cette allée. Cette allée magique. Mistral et Tramontagne. Attendez, bougez pas. On va faire comme ceci. Ouais, ça, c'est beau, ça. Ouais.
Tu vois, là, tu kiffes là un peu. Là, là, on est sur un beau truc, là. Ok. Ok, hop. Yes, là, on est sur un très beau truc. Ok, on a notre allée. Alors, notre allée en soi, elle va pouvoir être rejoint par cet endroit. Attendez, bougez pas. On va essayer de faire un petit truc assez stylé. En tout cas, j'espère que c'est vraiment apaisant, les épisodes de Planet Coaster pour vous. J'espère que vous kiffez bien. Parce que moi, c'est un réel plaisir de record sur cette, sur ce jeu. Puis en plus, vous voyez mon incroyable talent. Hein, bien évidemment. Talent que vous ne doutiez point. Voilà. On a notre... on a notre petite allée qui rejoint là-haut. Ça rejoindra en plusieurs sens. C'est plutôt cool. Il va y avoir des lampadaires tout le long, des poubelles, des bancs aussi. On va peut-être... Vous voulez qu'on s'en occupe maintenant? Allez, on a posé notre attraction de l'épisode. Donc, vous savez quoi? On va s'en occuper maintenant. Ça me paraît pas mal. Ça va être assez sympa. On va décorer ça. Ça va être cool. Ah, on peut mettre des plantes aussi qui tombent. Des plantes grimpantes ou tombantes. Ça dépend dans quel sens elles vont. Ok, bah, on va passer sur les bancs. Alors là, il faut des bancs très nature, hein, vous l'aurez compris, messieurs. Déjà, il faut des poubelles. En soi, ce n'est pas un problème. On va passer sur ces bancs-là. Ces bancs-là, ça me paraît les plus optimisés. Ah, on peut pas du tout le mettre... ça, c'est chiant. On peut le mettre que de ce côté. Ok. Est-ce que j'ai bien fait de les mettre à l'extérieur? On va dire que oui. De toute façon, si on voit personne dessus... C'est que j'ai mal fait mon boulot. Voilà, pas trop de bancs, évidemment. Les lampadaires, les poubelles aussi. Oh là là, c'est incroyable. Bon, poubelle très... très nature aussi. On va le mettre à l'extérieur. Je sais pas si ça fonctionne à l'extérieur. Je sais pas du tout si c'est accessible. Et je voulais prendre aussi un technicien de surface qu'on va faire. On va le prendre, vous inquiétez pas, les gars. On finit juste les lampadaires. On a quoi? On a quoi en lampadaire sympa? On va mettre une petite pancarte aussi, ça va faire genre là-haut, il y a une balade. Voilà, là-haut, tu es une merde, et puis voilà, ça va passer. Lampadaire crâne. Oh, lampadaire, c'est pas mal ça, non? Ah yes! Vous savez quoi? C'est pas mal, ça éclaire bien ou pas? Je sais pas si ça éclaire bien. Ça me paraît pas mal ça. On va en mettre un petit peu partout. Voilà, je vais pas compter, hein. On va pas s'amuser à compter, les gars, parce que sinon je suis pas bien. J'espère que ça éclaire, sinon je me suis fait enculer sur la marchandise. Tiens, et vous savez quoi, on va même en mettre en face. On va mettre en face, comme ça on est sûr que ça éclaire proprement. C'est pas mal, c'est propre ça! En plus, cette petite musique, c'est vrai que les musiques du jeu, très sympa. Alors bon, c'est pas le soundtrack que je vais écouter dans le bus, tu vois, frère. Mais c'est vrai que c'est reposant. Ça rentre bien dans le délire de la série. Pas mal, ça. Pas mal, petit chemin de lanterne comme ça. Ah, ça fait plaisir. Hein. T'as envie de l'utiliser, ce chemin. Je sais que vous avez envie de l'utiliser, les gars. On va voir ce que ça a donné. De toute façon, il va y avoir des arbres, des trucs sympas aussi, juste derrière. Mais les arbres, comme je disais, ça viendra un petit peu plus tard. Ok. Et vous savez quoi, là, on va en mettre à chaque petit trait de rambarde. Ok, pas mal. Très propre. On est bon! On est bon, les amis! Alors, personne ne va utiliser ce chemin pour le moment. Pour le moment, mais vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir y aller. Qu'est-ce qu'on a? On a un bandit embusqué. Ça va être pour les petits trucs à thème. Ça va être très sympa. On fera ça dans les vidéos montage. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah oui, notre technicien de surface. Je voulais qu'on y revienne. Ça serait dommage de l'oublier, notre ami. On va faire un technicien de surface. Et lui ne sera payé à utiliser que l'allée. Voilà. Donc, c'est parti. Frérot, moi, c'est simple. Tâche, poubelle, détritus, vomi. 120 par mois. Je vais te régaler parce que tu gères quand même bien, tu gères quand même une grosse allée. Gestion des affections, libre de ses mouvements, non. Créer une nouvelle affection, c'est terrible ça. Permettre de définir les attractions boutiques auxquelles vos employés doivent accorder. Ok, on va voir un petit peu ma nouvelle affection. D'accord, j'ai compris.
On va se mettre tout en haut. Alors les gars, c'est la première fois qu'on teste ça. Toi, tu vas me gérer tout ça, mon pote. J'ai tout sélectionné, les boutiques, tout, on est bon. Yes, toi, tu vas me gérer tout ça. Et je vais l'appeler, pas ma nouvelle affection, mais l'avenue. Voilà, l'avenue, tout simplement. Pas de suspense, les mecs. Ok, donc Jean-Claude va gérer l'avenue. Il est où, notre Jean-Claude? On l'a déjà perdu, c'est terrible. C'est terrible, tu te caches où? Tu te caches où? Tu es là! Ah bah alors, t'es content de vivre, ça c'est bon ça. Ok, tu vas gérer que l'avenue. Voilà, donc lui ne va gérer que l'avenue. D'ailleurs, il flotte, il surfe sur la voie. Oh, il est content. Ah ouais, t'as bien raison, mon pote. Sois pas trop content. Sois pas trop content parce que tu vas en chier. Tu vas en chier, c'est moi qui te le dis. Ok, donc toi, tu ne vas gérer que l'avenue. Regardez! Son chapeau, il l'a acheté dans le magasin là-haut. C'est bon ça. Oh là, vous courez comme ça, les mecs. Waouh! The right stuff a l'air trop cool. Alors, on va renommer un petit peu hein, les attractions, histoire que nous, ça nous dise quelque chose. Celui-là, on va l'appeler parce que c'est the right stuff. J'aime pas trop. On va l'appeler... comment on peut l'appeler? Soulevage. On va l'appeler le soulevage en règle. Le soulevage en règle. Parce qu'il est propre. Il est propre, il n'y a pas de mort. Il n'y aura pas de mort, d'ailleurs, j'ai confiance. Ok, on l'appelle le soulevage en, l'air. En règle, pardon. Alors, là, on a des statistiques intéressantes. 24%, je vais faire un tour sur le soulevage en règle. Et 16%, pas question de faire la queue aussi longtemps pour le soulevage en règle. Et bénéfice du mois, on est dans le moins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les mecs? 16 le billet. Couleur des rails. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est propre. On peut genre vraiment... Couleur des wagonnets. Ah oui, on peut tout regarder le wagonnet, on peut tout modifier. Oh, mais c'est énorme. Un petit soulevage en règle, là. Ok. Les rails, j'aime pas trop, je vous avoue. Hop, on va partir sur un bœuf un peu plus clair. Ok. On est bon, là? On est bon, attendez, bougez pas. J'aimerais ne pas... Voilà. Oui, ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux. Oh, il fait nuit! Regardez, qui font, les amis? Attendez, mes petites lanternes, là. Oh, l'arnaque. Ah si, ça allume, ça allume. Oh, propre, stylé. Ça allume. Donc, les gars, c'est parti. On se met dans la tête des gens, un peu. D'ailleurs, on va reculer, parce que la tête des gens n'est pas aussi... Ah, c'est beau, hein. C'est beau, les gars. Regardez, tu vois une allée comme ça, t'as envie d'y aller. T'as envie d'y aller, clairement. Ah, oh, putain, c'est énorme. Énorme. Ah, eh, ça fait stylé mes petites portes de vaisseau là finalement. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Gros, tu m'as perdu. Oh là! Oh là, revenez. Ok, c'est bien stylé. C'est bien stylé. Bon, écoutez, on peut continuer. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a posé une montagne russe, on a fait le chemin. Le chemin avec les petites lanternes qu'on reliera bien évidemment aux autres. Aux autres chemins. Je suis en train de réfléchir vite fait. Non, c'est bon, on est bon. Aïe! Bénéfice mensuel, moins 1200. Ben c'est pas ouf, je trouve. Hein. Évolution du parc, plus 15. Je trouve que moins 1200, ça commence à rentrer, les gars. Ça commence à être propre, ça commence à être très sympa. Ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi pas... tiens, regardez. Regardez ce qu'on peut faire. On va faire une petite attraction. Un truc qui prend pas trop de place. Yes. Ça prend pas trop de place. On va le poser là. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire que... Ouais, c'est pas mal, ça. Hop, c'est pas mal, ça. Placez l'entrée. On va la mettre ici. Placez la sortie. On va la mettre ici. Et relier. Ok. Donc, pour les files d'attente... On va essayer de faire un truc qui passe... Merde, ça ne passe pas. C'est terrible. Ok. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Et la sortie, bien évidemment. Toujours une petite sortie de type agréable. Yes. Oh putain, merde, les gars, revenez! Oh putain, en plus, j'ai pas choisi la bonne brique. C'est terrible. Yes, on est pas mal. Bon,
Ok, on est cool. On est à la cool, les gars. On peut l'ouvrir direct. Encore une nouvelle attraction, ça va nous faire un petit peu plus de pognon. Pourquoi pas mettre aussi... Parce que c'est vrai que là, je vous avoue, ça fait un petit peu dégueulasse. On est bien d'accord, mais c'est là où on va attaquer un petit peu les décos. Des petites décos sympatoches. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce genre de déco? C'est terrible. C'est une déco sous terre. Une déco souterraine. Ok, ça c'est pas super ouf. Hein. Oh, quoique, eh gros, un petit truc ici, on s'en bat les couilles. Un arbre mort, histoire de dire que c'est vraiment la tristesse. Voilà. Là ça me plaît. Là ça me plaît un peu plus, là, putain. Ah ouais, mais bon, faut que les gens ils kiffent un peu, tu vois. Ah, ça c'est dommage là par contre, on peut pas. Ah ouais, ça peut gêner. Ça peut gêner, c'est terrible. Là on a de la déco quand même. Regardez. Ça va servir de buisson. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on aurait pas des petits buissons? J'aimerais bien des petits buissons, tu sais, le truc bien carré. Et ben voilà, mon petit pote. Ok, on est pas mal aussi. Donc regardez. Alors on peut pas modifier, c'est dommage, on peut pas modifier la longueur. On va essayer de faire les choses proprement, c'est-à-dire droit. C'est pas évident. Alors ça par contre, il y aura des cuts hein, les prochaines fois, parce que c'est la tristesse de mettre des buissons comme ça. Tu sens la vinule du gars. Ah, attends, si on fait comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Je sais pas comment ils jugent après. Parce que bon, c'est un jeu de jugeurs. C'est des gens, ils jugent tout le temps. Oh là! Oh là! Reviens parmi nous! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon. Par contre, hey, le problème, c'est que maintenant, il va falloir que je reprenne. C'est peut-être dégueulasse hein, ce que je fais. On est bien d'accord. Je le modifierai pour que ça soit hyper propre les prochaines fois. Vous en faites pas. Ok, on se remet aligné. Aucun putain de problème. Calme-toi quand même. Calme-toi, va pas trop. Yes. On est bon là les gars ou pas? Dites-moi si on est bon. Voilà. On est bon, on est très très bon. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'apprécie, je plus sois, je pose un like parce que ça fait plaisir. Ça fait... Oui, c'est très sympa. C'est très 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 sympa. Dommage qu'on puisse pas faire une ligne d'un coup. Parce que là, c'est très très chiant. Ça m'a déjà donné des idées en off pour ce que je ferais. Pourquoi pas un petit caillou? Tiens, ça c'est un gros caillou. Un très gros caillou ça. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On est dans de la déco là. On est dans quelque chose un peu un art moderne quoi. Tu vois, tu comprends un peu ce que je veux dire Thierry? Bon, il va y avoir aussi des boutiques le long de la promenade. Le problème c'est que là, va falloir relier la promenade. Ouais. Là je pense à un truc qui va être d'ores et déjà chiant. C'est que j'ai trop collé en fait l'attraction. Et donc la promenade ne va pas pouvoir passer par ici. Oh putain, je vous vois déjà gueuler à 4 km. C'est compréhensible. Tiens, viens, on accélère un petit peu ça, non? Vas-y, moi ça me plaît, moi. Ouais, temps d'attente max, 110 secondes, ok. Intervalle entre les dés. Oh là là, oh, ça quand on peut tout modifier, c'est énorme. Demander une rénovation, 100 $. Ça va, les gars, oh. Ok, demander une inspection, déclencheur. Temps d'attente minimum. Activer les passes prioritaires. Ah, c'est pas mal ça.
Ah ouais, une entrée pour les passes, c'est pas mal ça. Ah, ça, je savais pas. Donc ça rajoute une autre file, une file VIP. D'accord. D'accord. Ça, je ne savais point. Toujours bon à savoir. Bah, on va pas l'activer en soi, on va le désactiver. Ok. C'est juste ça que j'ai pas compris. Alors, ton maximum entre l'embarquement du premier passager, ok, sans tenir compte de mes couilles. D'accord. Musique, laissez-moi tomber. Ah, on peut choisir la musique, pas mal, propre, les gars. Élégant, classe. Résultat, échelle, mes couilles, ok. Ah, il y a tellement de choses à voir. Ok, j'ai bien compris. J'ai tout compris, les gars. On va pas s'attarder dessus plus longtemps. On est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah, c'est vrai qu'il y a... Il y a cet endroit qui n'est pas encore assez visité, je trouve, et que j'aimerais relier. Donc, on va le faire de suite. Bougez pas. C'était quel type que j'avais pris? C'était ça, non? Attendez, c'était ça ou pas? Non, pas du tout. C'était celui-là. Ok. On va remettre les allées. Ça, on va cacher. Hein. Ça sera caché derrière. Personne ne verra rien. Ouais, pas mal ça. Ok, on va continuer. Et on va le relier calmement. Waouh. C'est quoi ces conneries, les gars? Okay. C'est bon, on l'a relié. Derrière va y avoir des petites boutiques, va y avoir d'autres trucs assez sympas. Et puis va y avoir des arbres, de la déco. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je pense qu'on va s'y attarder dans le prochain épisode. Pourquoi pas mettre ça, par exemple? Ça peut être sympa, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Non? Petite boutique un peu village. Ouais, tu vois ce que je veux dire, un peu country. Ah, c'est pas mal, ça. Je sais même pas ce que j'ai mis au final, mais c'est pas mal. Premier secours. Là aussi, ça aussi, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal, les gars. Ça rentre un peu dans le thème. Des premiers secours, toujours important. Qu'est-ce qu'on a? Distributeurs. Des distributeurs. Ça, c'est très important, ça. Ça, c'est très important, ça. Comme ça, quand le mec, bam, il va rentrer par là, boum, il est pas prêt. Il va passer à la caisse, mon pote. C'est moi qui te le dis. Titre d'info, pas intéressant. Et boutique souvenir, ça, par contre, il faut en mettre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà mis. Ok. Un burger style village. Y'a nickel. Nickel. Ok. C'est pas mal. Là, on est dans le style village, hein, par ici, vous l'aurez compris. C'est pas mal. Et des huttes toilettes. Ah, ça, on en a déjà. Par contre, pourquoi pas en mettre ici. Toilette à l'entrée, toilette. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, je pense, plus que les chiottes. Oh là. Je suis parti en couille, je suis désolé. Il s'est passé un truc trop chelou, là. Voilà, sur les chiottes, on va plus partir là-dessus. Ah, j'en ai déjà mis, remarque. Allez, hey, on s'en fout. Toujours faire caca quand l'envie nous presse, comme on dit. Bon, eh ben on est bien là. On est bien, on va pouvoir encore continuer. On va passer aux phases de décoration dans le prochain épisode. Les phases bien reloues. On va terminer notre allée aussi incroyable, n'est-ce pas? Et on va passer une dernière nuit dans ce village. En tout cas, voilà. C'était une vidéo one shot, j'espère que vous n'êtes pas fait chier, on va reprendre les vidéos un petit peu plus cut. Dites-moi si vous voulez beaucoup plus de vidéos one shot, si vous voulez vraiment tout voir, même la pose de lampadaire, Miskin, si tu kiffes dans ton corps. On va faire une dernière phase de nuit, et puis bah, on va s'arrêter là. Tiens, pendant qu'on attaque la phase de nuit, c'est peut-être le moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout de suite ils foutent des lampadaires, et hop, ne bougez pas, j'ai pris ceci. Ouais, bébé, ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Là, on est sur quelque chose, les gars. Et là, ça me plaît. Je ne sais pas pourquoi je crie. Parce que je kiffe, tout simplement. Parce que je kiffe, putain. Ok. On est sur quelque chose de beau. Des beaux lampadaires, des promenades. Oh, on commence à créer un parc où les gens ont envie de venir. Et je dis oui, les gars. Donc, on va mettre à combien? Hop, on augmente d'un dollar, mon petit pote. On augmente d'un dollar. Il y aura du monde, vous en faites pas. Il y aura du monde. Oh, on pouvait choisir aussi les horaires d'ouverture. C'est intéressant, ça.
Est-ce que par hasard, on va pas le faire tout de suite, vite fait? Parce que j'aimerais bien que le parc soit ouvert, pardon, H24. Ce serait cool. Ce serait super cool. Prix des tickets. Ah, d'accord, ça ferme à 6h du soir. Moi, j'aimerais bien que ça ferme à minuit. Fermeture minuit. Donc 12h de l'après-midi. Mais non. 12h de l'après-midi, c'est midi ou minuit? Qu'est-ce qui se passe? C'est un piège. Bah, vous savez quoi? 1h du mat. Au moins, on est réglé. Parce que là, ça sentait la carotte. Ça ouvre à 8h du mat. Ça ferme à 1h du mat. Donc le lendemain. De toute évidence. Ok. Ah, bénéfice mensuel, moins 442. Vous avez vu, les gars? Ça commence à monter. Ça commence à monter, mon petit pote. J'avais quelque chose en panne, là. Pourquoi il a été fermé? Qu'est-ce qui se passe? Bah, pourquoi? Faut pas fermer, messieurs. A donné sa démission. Les gens ferment. C'est terrible. Si vous avez une solution... Ah, lui, il est en panne. Par contre, on va le régler. Qu'est-ce qui se passe? On va envoyer un technicien de surface. Non, pas un technicien. Une rénovation. Oh, damn. Ok. On est pas mal. On va prendre un nouveau technicien, d'ailleurs. Je pense que c'est le moment. Alors, pour l'instant, on est en négatif. Faut qu'on repousse impérativement. Faut qu'on revienne en positif. Donnez-moi des petits solus en commentaire. Et puis, on va s'arrêter là, employé. Non, je veux un nouvel employé. Voilà. Hop. On va prendre Jean-Jacques, là, gros. On va le poser ici. Vas-y, fais-moi kiffer, bébé. Ok. On a deux techniciens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un animateur. Ça peut être pas mal, hein. Un animateur. Le café, ok. Mes couilles. C'est pas mal, ça, le Cosmic Co. Ok, on va mettre le Cosmic Co et on va le poser ici. Ouh. Voilà, ouais, tu kiffes, bébé, hein. Libre d'essai mouvement, et tu sais quoi, on va gérer l'affectation. Parce qu'il faut devenir professionnel, les amis, dans ce jeu. Et tu vas tout... Yes, tu vas nous gérer tout ça. Et je vais l'appeler le Pork. Parc 1, parce qu'on sait jamais. Sauvegarder. On est bon. Maintenant, on va retrouver notre vache. Elle est où? Elle est où, la serotte, là? Elle est partie en couille, déjà, là, non? Ah, elle est là. Oh, putain, merde. Oh merde, t'imagines t'es payé à faire ça toute ta putain de vie? T'imagines? T'es payé à faire... Oh quoi, qu'est-ce qui se passe? Reviens parmi nous. T'es payé à faire ça toute ta putain de vie. Elle est où? C'est terrible! Je l'entends! Eh mais kiffe, hein? Oh la vie de merde. La vie de merde. Bref, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur Planet Coaster. À lundi pour Dead Rising 4 et à vendredi parce que c'est cool, ça annonce la fin de la semaine prochaine. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.